Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera la guidance du week-end. Hein. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, hein, donc on va faire le côté général avec mon oracle obsidienne de Maria. Et j'ai sorti aussi mon oracle Maria-Ange d'amour avec l'extension. Hein, c'est à l'intérieur. Et vous n'en avez que 4 en stock si vous le souhaitez, les belles âmes. Vous pouvez aller voir. Hein, vous avez donc obsidienne de Maria en stock. Maria-Ange aussi en stock, mais il n'y en a que 4. Les âmes éternelles en stock également, par contre, il y en a 10. Et puis l'oracle, la rose de Maman Marie, qui est en stock aussi et que je vais sortir également. Voilà pour mes oracles. Et donc, on va commencer avec celui-ci, mais d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'abord, avant de faire le petit tableau avec mon oracle, j'ai envie d'abord de prendre l'oracle Béline. Voilà. Alors, je vais prendre 4 cartes, donc pour ce week-end. Pour ce week-end, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens cela. Voilà. Et voilà, ok. Alors, on va faire un peu plus d'espace. Hop. Voilà. Et donc, c'est parti. On va voir donc du week-end. On a la table. On a la table qui ressort ici. Et on me dit de prendre le petit livre. Je ne le prends pas à chaque fois, mais là, parfois, on me dit de le prendre hein, parce qu'il y a des messages en plus. Vous voyez les entreprises ici. Ah ouais, d'accord. Il y a une énergie masculine hein, qui a l'impression qu'au niveau du travail, au niveau de tout ce qui touche le côté matériel, enfin là, c'est plutôt le côté professionnel. Il a l'impression que rien ne va, que ce soit avec vous et dans son travail. C'est une énergie masculine qui, pour le moment, en tout cas, ressent cela actuellement. Et je ne sais pas pourquoi, on va voir pourquoi on veut me parler ici avec le petit livret pour la table. On vous parle en fait, avec la table, on vous parle en fait qu'il y aura des échanges, des discussions, des échanges pour ce week-end. En fait, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on voulait vraiment absolument que je vous le dise en premier. C'est que, voilà, ce qui est très important ce week-end, c'est qu'il va y avoir des discussions. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme si ces discussions allaient tout changer, en fait, pour vous. Il y a quelque chose qui va tout changer dans ces discussions, dans ce partage, de communication, de... Peut-être que vous allez partager aussi, pourquoi pas, hein, une table, un verre, manger ensemble, boire un verre ensemble. Ça sera quelque chose qui est vraiment là pour tout changer. Hein. Changer, mais vers le positif. On veut essayer de changer les choses vers le positif. Peut-être au niveau sentimental, par exemple, pour aller, par exemple, vers une vie commune. Mais on me parle aussi de sensualité, de désir charnel, ici. Hein. Ouais. De discussions également, donc au niveau des affaires, au niveau professionnel, hein, il pourrait y avoir aussi des discussions et un certain ancrage au niveau spirituel. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous le souhaitez, en parlant d'ancrage, j'ai mon grand cœur améthyste qui reste en stock sur le site, mon site Etsy si vous le souhaitez. Voilà, l'autre cœur est parti, merci infiniment. Et puis, celui-ci est en stock avec livraison offerte. Hein, si vous le souhaitez, s'il vous attire, évidemment. Si vous le ressentez, c'est super. Si vous ne le ressentez pas,
Faut pas, voilà, il faut vraiment écouter vos ressentis, c'est très très important, surtout au niveau des pierres, au niveau des cristaux, hein. Très très important, hein. D'accord? On va découvrir les autres cartes et puis on va ensuite voir, hein, bah, surtout qu'est-ce que c'est cet échange, quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est cet échange qui est aussi, aussi beau, quoi. Allez, on va voir. La campagne, la santé. Alors, l'inconstance. Et l'élévation. Ouais, vous voyez, hein, on voit ici avec l'inconstance, on voit qu'il y a des doutes, vous êtes dans l'hésitation, ça vous prend la tête. Hein, on est vraiment dans ce côté, j'en ai marre, je me prends la tête, j'aimerais bien aller de l'avant, mais je ne sais pas comment faire, etc. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes ici, d'hésitation, qui du coup ralentissent en fait. Bah, ralentissent en fait comme une union au niveau sentimental. Ouais, une union au niveau sentimental, c'est ça. En fait, ça ralentit une élévation ici, une élévation au niveau sentimental là. Et au niveau professionnel, ça ralentit en fait un succès si vous avez des doutes à ce niveau-là. Si c'est plus des doutes au niveau sentimental, c'est au niveau sentimental. En fait, il faut voir vous. Vers quoi en fait vous avez des doutes, vers quoi vous hésitez. Hein, mais vraiment des gros doutes, des grosses incertitudes hein, qui vous troublent, quelque chose en fait qui vous trouble beaucoup. Donc soit au niveau sentimental, soit au niveau. Donc soit au niveau sentimental, soit au niveau peut-être professionnel. Hein, donc en fait les doutes comme ça, hein, ces énergies en fait basses, bah forcément. Bah, peuvent retarder, bloquer les choses en les retardant. Donc c'est très important ici, effectivement, de vous en libérer, de retrouver en fait le calme. Parce qu'on voit ici que vous commencez le week-end dans le calme, dans l'apaisement, dans la sérénité, puis d'un coup, il y a des doutes, il y a des incertitudes, et ensuite on a l'élévation. Donc quelque part, enfin voilà, il y a quelque chose de positif quand même, hein, puisqu'après on a l'élévation. Hein, donc on a une belle progression en fait, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de doute en fait. Ici, vous n'aurez plus aucun doute par rapport donc à ce qui vous inquiétait. Vous n'aurez plus de doute, vous n'aurez plus d'inquiétude. Voilà. Et donc on va voir un petit peu donc au niveau de ces échanges ici, qui en plus nous parlent aussi hein, de désir. Là, ça parle aussi de sensualité, de désir charnel. Ouais, bah du coup, je vais prendre mon oracle comme ça, en fait, cette fois-ci. On parle d'années et d'hésitation, vous voyez? On a l'hésitation par rapport, donc, à une personne, ici, qui est un ami ou une amie. C'est peut-être quelqu'un qui, comment dire? Peut-être que vous êtes resté ami avec cette personne. Enfin, il y a quelque chose à... On est bien dans les hésitations, hein, l'inconstance, avec une personne qui est dans votre. J'ai l'impression que c'est une personne de cœur quand même. Ouais, élévation. Tiens, je vois une coccinelle ici sur les panneaux et j'ai vu une coccinelle. C'était hier, j'ai pris une photo d'ailleurs. La petite coccinelle, regardez, c'est la première fois que je la vois. Vous voyez? C'est marrant, hein, quand j'ai c'est la première fois que j'ai vu la petite coccinelle. Même quand j'ai mis le panneau, pour vous dire que même quand j'ai fait la carte, je n'ai pas vu la coccinelle. C'est maintenant que je la vois. C'est vraiment ici pour vous dire que vous allez être guidé. Voyez? Et si vous voyez des coccinelles, on vous dit en plus que c'est un signe divin pour vous indiquer la route, en fait, la bonne route, le bon chemin. Et vous êtes guidé vers le bon chemin. Et regardez, vous voyez, la flèche, elle est tournée par là, vers l'élévation. Et regardez ce que j'ai après. Eh bien, j'ai la joie, j'ai l'épanouissement. Voilà, tout simplement. J'ai la joie et l'épanouissement qui vient effectivement juste après. C'est super. Au niveau de la table, on parle de tristesse et accélération et rapidité. Pourquoi on parle de tristesse? Passion. Ah, passion et guérison. Hein. Donc pour moi, ici c'est clair. Dans cette tristesse, les choses vont s'accélérer. C'est un mal pour un bien.
parce qu'il y a quelque chose là qui va s'accélérer. Au niveau de la passion, au niveau du désir et de la sensualité, il y a quelque chose qui va guérir ici. Et il y a une situation qui guérit au niveau de tout ce qui touche en fait la sensualité, les passions. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Après ce moment de tristesse, après ce moment où c'est difficile, les choses vont aller de l'avant. Vous voyez, on a bien l'union, hein. Les choses vont s'accélérer parce que voilà, vous allez sortir d'une illusion. Et du coup, ça va faire ressortir, comment dire ça, un désir, une passion entre vous et cette personne. Parce que vous allez sortir d'une illusion. Quelle est cette illusion? Est-ce qu'on peut vous le dire? On va voir. L'amour. Illusion dans l'amour. Et on a encore une fois, hein, la vitesse. Donc sur l'amour ici, sortir l'illusion en amour. Personne fausse et confiance en soi. Énervement et bonheur. Vous voyez, après l'énervement, la tension, il y a le bonheur. Je pense qu'en fait, vous allez comprendre que cette personne n'est pas fausse. Justement, peut-être que vous étiez en train de vous dire que cette personne était fausse, qu'elle ne vous aimait pas. Et en fait, vous allez comprendre vous allez savoir le contraire, vous allez comprendre tout le contraire. Peut-être parce que justement, vous allez prendre confiance en vous un peu plus. Et là, vous allez vous dire, bah oui, mais en fait, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Et après toutes ces tensions, énervement, tristesse, eh bien, il y a le bonheur. Ouais. Ah ouais, ça c'est clair ici. Campagne et santé ici, on retrouve le calme, le bien-être. Au niveau du travail, on vous parle de succès. Et là, on a la grosse dispute par rapport au travail. Pourquoi on a la grosse dispute? Vous avez besoin tout simplement de vous ancrer. Je pense qu'il y a des tensions peut-être au travail. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'une pause au niveau de votre travail. Vous avez besoin d'une pause. Hein. Et on vous dit hein, être près de la nature et se connecter à la terre. Hein, vous avez vraiment besoin de vous connecter à la terre, de faire une pause, d'être un peu. Voilà, d'être un peu seul, quoi. Peut-être aussi avec vous-même, mais surtout avec la nature. Vous avez besoin d'être proche de la nature ici. Ouais, ici, il y a un homme ou une femme d'énergie masculine qui y a une distance. Il y a une distance avec cette personne, mais on vous parle d'un cadeau. Ce cadeau, c'est un soin énergétique. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un homme ici ou en tout cas une femme d'énergie, enfin, quelqu'un d'énergie masculine, mais vous aussi. Vous allez être tous les deux en pleine guérison. Ce qui va amener, regardez encore une fois, à une attraction intense entre vous, un désir, une passion. Parce qu'il va y avoir une guérison entre vous. Il y a un soin, il y a quelque chose là, un alignement au niveau de vos chakras et tout, qui va vraiment. C'est un cadeau, hein. C'est comme si le divin vous apportait ce cadeau-là, hein, comme une récompense. Et peut-être même que c'est lié à la lune. Ouais, qui va aider, l'énergie de la lune qui va aider pour justement purifier et guérir. Regardez ici, on parle de réalisation d'un projet avec l'argent. Vous êtes guidé pour aller vers un projet qui va être une réussite. Ça va vous amener vraiment au niveau financier. Vous allez réussir là au niveau de ce projet, au niveau financier. Il y a la réussite de ce projet ou alors vous allez recevoir par exemple au niveau de votre travail une reconnaissance, une prime. En tout cas quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir au niveau financier. Ça, c'est clair. Vous allez choisir ici de sortir avec cette personne. Ouais, et c'est comme ça. Alors là, pour moi, les belles âmes, il y aura une sortie avec la personne ici de cœur qui va justement
vous montrer, vous faire apprendre, vous faire savoir que cette personne, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de bien, en fait, tout simplement pour vous. Vous allez savoir cela. Vous voyez? Donc là, c'est super. Donc pour ce week-end, peut-être qu'il y aura effectivement une sortie entre vous et la personne, hein, si vous décidez bien sûr de vous voir, de vous rencontrer. On a encore les entreprises qui ressortent avec l'infortune, hein. C'est que vraiment. La clé de la destinée et les présents, hein, c'est les cadeaux. Il va y avoir un cadeau, hein, qui va pouvoir trouver. En fait, il y a une solution qui va arriver, tout simplement, pour qu'il n'y ait plus cette infortune au niveau du travail, au niveau financier, matériel, professionnel. Il va y avoir des échanges par rapport à ce mal-être, hein, il va y avoir des échanges. Peut-être par rapport, pour certains, il y a peut-être des discussions au niveau de l'héritage, hein, c'est possible. Autour de la personne de cœur, là, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a un appui, il y a une aide, hein, qui arrive ici. Et c'est l'amour. Cette aide, c'est l'amour. Hein. Je pense que cet amour va lui apporter de l'aide. Parce qu'il va y avoir, il y a quelque chose d'inattendu, en fait, qui risque d'arriver et. Où cette personne va se retrouver sans rien et elle aura besoin de votre amour, en fait. Là, on me parle de ça. Comme si votre amour, ouais, comme si votre amour allait le ou la sauver. Ouais, parce que là, là, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui est comme emprisonné, hein, dans une sorte de comment dire ça, comment je vais dire ça, mince, je trouve pas le mot. De critique, quoi, comment dire ça. Jugement, critique, au niveau de la trahison. Voilà, toi, tu m'as fait ça, toi, tu m'as menti, toi, tu m'as menti sur ça, toi, tu m'as fait ci, toi, tu m'as fait ça, toi. Vous voyez? Quelqu'un qui est un petit peu peut-être comme emprisonné dans ça et qui est fatigué, qui a l'impression que les choses ne peuvent pas s'améliorer entre vous. Mais il y a quelque chose, il y a un hasard, enfin, il y a comme un hasard, quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va amener à la réussite dans cet amour, dans cette union, quoi. Ouais, parce qu'il va y avoir une découverte qui est une grâce. Cette découverte est une grâce. Ok. Ouais, on vous dit dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines. Et on vous parle du grand amour avec un grand A. Donc dans les prochaines semaines, il va y avoir quelque chose qui va bouger entre vous et la personne. Donc au niveau du lien, je pense que ouais, les choses vont bouger au niveau de cet amour, hein, de cette union, de ouais, voilà. Ça va bouger, hein, ici, c'est clair. Ça va bouger. Ouais. Vous allez passer un moment, voyez, vous allez passer un très beau moment avec cette personne qui actuellement ressent un vide. Hein. Je vous dis, en fait, sans vous. Personne, elle ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a envie, qui a besoin de voyager, de se déplacer. Hein, parce que vraiment, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui pense sans cesse à vous, hein, on vous dit. Et qui a besoin qui va avoir besoin pour ce week-end, hein, de vous voir, de vous rencontrer. Là, on a non, on parle d'une situation néfaste avec le masque. Donc là, je pense que cette personne, elle va dire non au fait de mettre un masque et être beaucoup plus positif. Ouais, parce que vous ressentez les choses avec la femme intuitive.
hein, que vous soyez homme ou femme, hein, l'énergie en fait féminine, en fait vous êtes beaucoup plus intuitive, du coup ça fait que vous ressentez les choses. Et donc cette personne, c'est pour ça qu'elle va dire, elle va comprendre que voilà, elle ne peut pas mettre un masque avec vous. Elle ne peut plus, elle ne peut pas, voyez? Ouais. Beaucoup de souvenirs ici et laisser une relation du passé derrière vous. Alors, contrarié, frustré et ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Cette personne fait des cauchemars insomnies. Ouais, en fait, ici, j'ai l'impression que comment dire ça, ce côté où on a voulu peut-être se séparer a été très difficile pour cette personne. Elle a été très très contrariée, très frustrée, très très mal sans vous, beaucoup dans les souvenirs. Et même, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cauchemars, de rêves, ou peut-être qui ne réussit pas à dormir depuis l'éloignement ou la séparation. Et c'est quelqu'un qui a compris que il doit prendre le temps, vraiment prendre le temps de s'écouter vraiment lui-même, hein, intérieurement ou elle-même, avant de vous rencontrer. Parce que là, ouais, il y a une situation qui le perturbe beaucoup, hein, et cette situation, ce sont justement les obstacles à cause d'une personne fausse, toxique ici. Il faut porter des cristaux, des objets de protection pour se protéger. Cette personne, faudrait qu'elle ouais, qu'elle prenne quelque chose qui puisse la protéger en plus, par exemple, de ses prières ou de ses demandes. Parce qu'avec vous, c'est quelqu'un qui vraiment ressent son enfant intérieur, hein, qui guérit, qui ressurgit, tout ça, hein, en compagnie de vous. Cette personne se sent mieux, se sent bien. Mais il y a une énergie tierce, hein, qui est blessée, qui est énervée de vous voir. C'est quelqu'un qui était très énervé. Il y a une énergie tierce qui était très énervée de vous voir bien, de vous voir content ensemble. Et c'est quelqu'un qui a fait semblant de vouloir l'aider, mais qui en fait était en train d'observer, mais de manière toxique. Vous voyez, quelqu'un qui a fait semblant, hein, qui a fait vraiment semblant de dire voilà, t'inquiète pas, je vais t'aider, je suis là pour toi, je suis ta meilleure amie, ton meilleur ami, je suis là pour t'aider, pour vous, je vais t'aider à, voilà, par exemple, à surmonter cette épreuve avec cette personne de cœur par rapport à je sais pas, moi, à cet éloignement, cette séparation entre vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait semblant. Et en fait, tout ce qu'elle voulait, c'est que vous soyez vraiment séparés définitivement. Mais confiance, maman Marie te prend la main. Si tu n'es pas seule, une maman d'amour spirituel est avec toi, elle t'aime d'un amour maternel. Et fais confiance en cette personne, tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Voilà, c'est quelqu'un qui de plus en plus en fait va comprendre à qui elle peut faire confiance et à qui elle ne peut pas faire confiance. Donc elle va comprendre que cette énergie tierce est une énergie fausse, vous voyez. Elle va savoir la vérité par rapport à cette personne et du coup, eh ben, il y aura un grand nettoyage par rapport à cette énergie tierce. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les tarots. On va prendre les tarots, les belles âmes. On va voir un petit peu plus ce qui... Enfin, on va voir ce qui se passe, hein, avec les tarots. Quels sont les messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, hein. Très important quand même, hein, de se sentir bien, et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages,
Hein, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci, hein, vous savez à quel point c'est important, hein, de liker, de s'abonner, de voilà, c'est soutenir la chaîne en fait, tout simplement, hein. C'est un soutien de la chaîne, hein, quand on like, quand on s'abonne. Donc merci beaucoup. Merci infiniment, tout simplement, d'être là. Donc c'est parti, on y va, on va voir avec le tarot. Alors je vais prendre lequel? Voilà, on va prendre celui-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les tarots pour ce week-end? Alors, on vous parle ici d'un projet que vous avez en tête et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de voir en fait loin dans votre avenir. Ouais, je vous vois en fait vous battre pour ce projet, prendre confiance en vous, en vos capacités de plus en plus. On voit aussi, hein, que vous avez besoin de repos, hein, donc ne sous-estimez pas, hein, le moment où vous avez besoin de repos. Ouais. Grande prêtresse, valet de coupe. Ouais, en fait, vous avez besoin de vous connecter à votre cœur. Au moment de ce repos, c'est parce que vous avez besoin vraiment de vous connecter à vous-même, à votre intuition, à votre cœur, et de faire un choix. Et de faire un choix, en fait, ici, au niveau affectif, en écoutant votre intuition et votre cœur. C'est très important d'écouter votre intuition et votre cœur. Parce que vous allez réussir à faire le bon choix si vous faites ça. Et du coup, à renaître, à aller vers complètement une nouvelle vie qui va être beaucoup plus belle, beaucoup plus positive et sereine. Et ça, c'est vraiment si vous écoutez votre intuition, votre cœur, vous allez faire le bon choix. Vous allez vraiment aller vers le bon chemin. On a la reine de coupe avec le cavalier de coupe, hein, vous voyez. Donc on vient vous déclarer, vous dire des mots d'amour, faire des propositions romantiques, hein. Pendant que vous aurez le cœur grand ouvert qui va déborder d'amour aussi, quand cette personne va vous dire tout ça. Ah ouais. Ah ouais, je vois ici un cœur. Je sais pas pourquoi, mais je vois un cœur brisé de votre côté, un chagrin d'amour par rapport à une vérité. Une vérité, mais qui va vous mener vers le bonheur, quand même. Vers le grand bonheur, le grand épanouissement ici, parce que là, c'est le soleil, la plus belle carte du tarot. Donc vous allez tout droit vers l'épanouissement, le grand bonheur, quand même. Donc en fait, vous allez savoir quelque chose. J'ai l'impression en fait que vous allez vous rendre compte que vous avez le cœur brisé, que vous aimez toujours cette personne. Et du coup, ça va vous amener justement vers l'épanouissement et le bonheur, vers de nouvelles énergies, de vitalité, de voyez des belles énergies comme ça. Et cette personne, elle a l'impression qu'elle est en train de vivre comme une injustice. Parce qu'elle a beau. Je vois quelqu'un qui a beau vous dire des mots d'amour, vous faire peut-être même une déclaration d'amour. C'est comme si ça ne marchait pas. Du coup, ça la met dans une confusion totale. Elle ne sait plus comment faire, elle ne sait plus quoi faire. Et justement, c'est comme ça en fait que vous allez commencer à savoir que ce week-end, qu'en fait, vous aimez toujours cette personne. Ouais, c'est ça. L'as de coupe. Vous voyez comment il a sauté. Vous allez comprendre en fait que vous aimez toujours cette personne. J'ai l'impression que cette fin, cette distance, cette fin va vous faire vraiment comprendre que vous aimez toujours cette personne. Et on vous dit que c'est réciproque. En fait, vous allez réciproquement, pardon, comprendre que tous les deux, vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Que cet amour, en fait, est toujours là. Que cet amour n'est pas parti et qu'il restera toujours. C'est un amour qui vous donne la force. Regardez cette épée à l'envers.
Il n'y a plus de trahison, il n'y a plus d'énergie toxique ici. Et on s'ennuie sans vous. On en a marre d'être sans vous. On est attaché à vous, très très attaché à vous, cette personne. Mais elle décide, enfin là, elle sort de quelque chose de toxique, quoi. On voit ici que l'angoisse, la peur, s'en va. Par contre, pourquoi j'ai le diable ici? Ah, c'est vous. C'est vous ici. Il y a quelque chose avec l'énergie du diable. Vous gardez espoir malgré cette énergie négative. Je pense que vous êtes dans la peur. Mais vous allez quand même garder espoir ce week-end. Vous allez retrouver l'espoir surtout. Vous allez retrouver l'espoir et vous allez y aller. Vous allez y aller, vous allez foncer. Et au moment où vous allez aller vers cette personne, j'ai l'impression que c'est vous, hein, qui allez. Vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez reprendre espoir et vous allez revenir vers cette personne en pensant, bah, avec une énergie de, voyez, de joie, de bonheur, de réussite. Et au moment où vous allez venir vers cette personne, elle sera déstabilisée. Avec l'empereur à l'envers, elle ne sera pas bien du tout. Malgré ses sentiments, puisqu'elle a toujours beaucoup de sentiments pour vous, avec le roi de coupe à l'endroit, hein, et l'as de denier. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son cadeau, hein, que vous êtes son cadeau divin, et qui va toujours persévérer, hein, pour vous avoir dans sa vie, pour vous garder dans sa vie. Mais quand même, cette personne, à ce moment-là, elle aura besoin de réfléchir. Pour justement ce 10 de denier. Voilà, pour se retrouver dans une vie stable avec vous. Elle aura besoin de réfléchir hein, cette fois-ci. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, je vois que c'est quelqu'un en fait qui. Comme si elle avait énormément essayé, essayé, mais vous ne vouliez pas. Puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aimez toujours cette personne. Que vous n'arrivez pas vous aussi à l'oublier, etc. Et vous allez du coup revenir pour, bah, pour lui dire voilà, ça y est, je suis prête ou je suis prêt. Ouais. Et cette personne-là, par contre, ce sera lui ou elle qui va justement un peu réfléchir. Ah ouais. Ouais. Parce que ça va lui faire peur là. Franchement. Cet amour va lui faire très très peur. À un certain moment, elle aura peur. Elle aura peur de cet amour. Ouais. En fait, elle aura peur que vous décidiez une autre fois de mettre fin à la relation parce que je vois ici que vous aviez décidé de vous séparer avec cette personne. Et du coup, cette personne aura peur que ça se repasse comme ça, que ça recommence en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans une histoire où bah, c'est vous qui avez mis fin à la relation. Cette personne a essayé, a tout fait pour vous recontacter, vous reprendre plutôt. Vous n'avez pas voulu. Et puis maintenant, bah, il va se passer quelque chose qui fera que vous allez revenir. Mais par contre, ce sera lui ou elle qui aura peur maintenant de revenir, enfin d'accepter votre retour, parce qu'il aura peur que vous allez refaire la même chose. C'est-à-dire enfin, que vous allez le quitter ou la quitter. Même si vous... Quand vous avez pris cette décision, c'était parce que c'était légitime. C'était vraiment, voilà, réfléchi. C'était vraiment, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas pris cette décision pour rien. Il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que vous avez pris cette décision. Mais bon, voilà, il aura quand même peur. Hein, je vous dis ce qui ressort ici. Il aura quand même peur ou elle aura quand même peur. Il ou elle. Parce que vous, vous allez vraiment vouloir commencer une nouvelle page de votre vie. Mais c'est vrai que on voit que vous pensez beaucoup plus à vous-même, à votre bien-être. Et je pense que ça doit lui faire peur quand même. Du coup, il va devoir faire un choix. Il va faire un choix ici. Donc, il va sortir
du silence et il va venir vous parler pour vous dire tout simplement le choix qu'il a pris, quoi. Le choix qu'il a fait, qu'elle a fait. Il va vous dire que là, il voudra aller de l'avant. Mais bon, ça veut dire quoi, ça voudra aller de l'avant? Parce que là, je vois le 5 de coupe. Est-ce qu'il va décider? Il va décider de mettre fin à toute épreuve. Ouais, il sera pas sûr. En fait, moi je vois là quelqu'un qui va pas être sûr là. Moi je vois une personne qui sera pas sûre là d'un seul coup et je vois que ça va vous faire quand même, voilà, ça va vous déstabiliser. Ça va pas vous faire du bien là, effectivement. Mais en fait, cette personne, elle va s'en vouloir parce qu'elle va agir de manière un peu impulsive. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir vers vous, elle va faire comme exprès de vous dire, bah non, tout compte fait, je veux, bah non, je vais aller de l'avant avec, bah, dans mon avenir, avec moi-même, mais plus avec toi, mais avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, et c'est tout. Alors vous, ça va complètement vous... Vous n'allez pas vous attendre à cela, mais juste après... Juste après, cette personne, elle va pas être sûre de son choix et elle va. Moi, je vois quelqu'un qui va regretter, quoi, et qui va. Ouais, qui va regretter sa manipulation. En fait, c'est comme une sorte de manipulation. Hein. Parce que vu que vous étiez dans le côté, voilà, je prends soin de moi. Je veux rien savoir, je prends soin de moi et c'est tout, c'est comme ça. Et là maintenant vous revenez, bah, cette personne, c'est comme si elle va faire exprès, hein, ce qui n'est pas bien forcément. C'est comme si elle va faire exprès quoi, pour voir votre réaction. Et après elle va regretter, forcément. Elle va regretter, hein, juste après, hein. Vais prendre un autre tarot parce que là sinon. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que du coup, j'ai l'impression qu'après, vous allez vous dire, ok, bah, puisque c'est comme ça, bah, je retourne dans ma petite vie et au revoir. J'ai l'impression que... Ouh. Bon, on a quand même cette belle carte. Ouais. Ouais, bah après, c'est vous qui aurez peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette relation? Donc en gros, alors je vais vous faire un récapitulatif parce que je crois que même vous allez être perdu dans ce tirage très bizarre. Parce que en gros, cette personne vous a couru après pendant des lustres. Vous n'avez pas accepté. D'un seul coup, vous vous rendez compte que vous avez toujours beaucoup de sentiments, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous revenez vers lui ou vers elle. C'est cette personne qui là va faire exprès. En fait, il va être content, mais il va faire exprès. De vous dire qu'il a besoin de temps, de vous dire que bah il va réfléchir, puis une fois qu'il va revenir, il va vous dire bah tout compte fait non, mais il va faire exprès, encore une fois. Et après, en vous disant maintenant, mais en fait, j'ai fait exprès tout ça, mais c'était juste pour voir si, et bah là, vous n'allez plus accepter. Parce que ça va vous faire peur. Cette réaction qu'il aura eue là, qu'elle aura eue, va vous faire peur en fait. Donc vous serez dans la confusion, ça va vous faire peur, vous n'allez pas savoir. Quoi faire et vous aurez besoin bah, voilà, de réfléchir, de vous connecter, j'ai envie de dire au divin, pour vraiment savoir quoi faire. Ouais, voilà, parce que vous voyez la justice à l'envers, voilà, parce que vous ne serez pas sûr du tout, là, vous ne serez pas... En fait, vous allez vous dire que ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, là, ça n'était pas juste, ça n'était pas normal. Que normalement, elle n'aurait pas dû faire comme ça, elle n'aurait pas dû réagir comme ça et faire exprès en fait. Vous voyez, en fait, vous n'allez pas du tout aimer cette réaction. Hein. Du coup, 10 de pentacle à l'envers, vous n'allez plus être sûr de vouloir effectivement vous engager en fait, à la fin du compte, bah, vous engager avec lui ou elle. Voilà, vous allez être très 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 méfiante, encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant.
Parce que c'est comme si vous allez avoir une révélation sur le fait que voilà, il me fait du mal, quoi. Il ou elle me fait du mal. Il m'a déjà fait du mal, mais alors là, il va m'en faire encore. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je continue quand même comme ça ou pas? Voyez? Vous en aurez marre en fait. Vous serez vraiment fatigué. Hein. Vous en aurez ras-le-bol. Hein. Voilà, hein. Il y a vraiment le désespoir ici. Vous serez désespéré hein, par rapport à cette situation, malgré votre amour. Hein. Il y aura toujours. L'amour est là. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est le comportement de cette personne, en fait, que vous ne supportez plus. Vous ne supportez plus le comportement de cette personne, en fait. C'est ça qui vous. On voit ici que c'est ça qui vous fait vraiment du mal. Et vous allez être dans le. Bah, vous allez vraiment perdre espoir par rapport à cette relation, en fait, là. Et du coup, vous allez décider de changer les choses, hein, de ne pas rester dans cette forme de désespoir, hein, mais d'aller de l'avant, de vous occuper des personnes qui sont autour de vous, par exemple, si vous avez des enfants, voilà, de vous en occuper, de les soigner, de faire des choses pour vous occuper aussi, pour vous-même, pour votre bien-être, parce que voilà, ouais, vous n'allez pas être bien à cause de ça. Et donc, pour que les choses changent, pour que l'énergie change, vous allez vous occuper de vos proches et de vous-même. Et ça va vous amener vers l'abondance, vers l'équilibre, à l'ancrage. Vous voyez, vous allez vous ancrer de nouveau, quoi. Et là, effectivement, il va bien regretter. Hein. Cette personne va bien regretter. Ouais, 5 d'épée et le magicien. 5 d'épée, magicien. Ouais, au final, ce sera vous en fait qui allez vraiment aller vers la victoire grâce à vos prières, à vos rituels, vos purifications. Il y a quelque chose là que vous faites pour vous purifier, des prières, des choses vraiment que vous voyez que vous faites pour attirer à vous ce que vous aimez vraiment, pour attirer à vous vraiment des belles choses quoi dans votre vie. Parce que vous comprenez que vous avez vraiment, avec le magicien, toutes les capacités, tout le pouvoir en vous pour attirer ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne vraiment. Et vous savez hein, que c'est vous qui avez la victoire, que c'est vous qui réussissez. Et on voit le 6 de coupe à l'envers, hein, vous décidez vraiment d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant. Vous allez vraiment prendre cette décision. Ah ouais. Le fou et le 10 de coupe à l'envers. C'est vous ici, hein. Vous décidez d'aller de l'avant et de mettre cette relation dans le passé et d'avancer. Ah ouais, là vraiment, ça sera. Vous allez faire un. Ouais. Là, je vous vois aller de l'avant de manière radicale. Hein. J'ai l'impression que là vraiment, ça sera. Mais de vraiment radical, quoi. Ouais, puis là, le cavalier de coupe, mais à l'envers. Hein. Il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire. Hein. À part penser à vous, voyez, à part penser à vous, regarder vos messages, vos photos, et en fait, il va rester uniquement avec ça. Il n'aura que ça pour se sentir mieux. Ce sera vos photos, vos vidéos, vos messages, etc. Parce que vous aurez pris la décision et vous n'aurez plus aucun doute. T'as le 2 d'épée à l'envers. Hein. Vous n'aurez plus aucun doute. Vous n'aurez plus aucun doute pour aller vers ces retrouvailles avec vous-même et avec peut-être même des personnes autour de vous. 10 d'épée à l'envers. Et 7 d'épée à l'envers. Vous avez eu déjà trop de blessures et vous ne voulez plus qu'on vous trahisse, vous ne voulez plus qu'on joue avec vous. Hein, il y a vraiment, ouais, vous ne voulez même plus même vous engager ici parce que vous êtes sorti d'une illusion. En fait, c'est comme si là, vous allez vous dire, je suis sortie d'une illusion par rapport à ce lien, etc. Ouais, parce que là, on voit que vous étiez vraiment pas bien. Est-ce que ça, c'était avant? Ok, c'est après alors. D'accord.
Alors, faites attention à quelque chose. Hein, parce que là, il faut que je vous le dise. Faites attention parce que vous pourriez faire vous pourriez prendre des décisions comme ça, mais sous la colère. En fait, ça sera plus peut-être soit de l'ego, soit de la colère sur le fait que cette personne, voilà, s'est comportée comme ça vous a fait mal et vous vous êtes dit, ok, bah c'est tout, c'est comme ça, je vais de l'avant, je pense qu'à moi. Mais je vois ici que par la suite, c'est pas tout de suite, mais par la suite, je vois que vos peurs peuvent vous mener vers les regrets, vers les pleurs, vers la tristesse, vos propres peurs. Donc faites attention à cela. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois vous sentir seul. Par la suite, je vous vois vous sentir seul ici. Mais vous allez réussir quand même à vous sortir de toute énergie toxique et négative. Mais vous allez regretter par rapport à ça. En fait, par rapport à la relation, je vois qu'il y aura des regrets, de la tristesse quand même. Mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus vous tourner vers le côté, voilà, je prends soin de moi, je fais attention à ma santé, je fais attention à bien manger, des choses, voilà, qui sont bien pour mon corps. Bah, le côté aussi forcément financier, professionnel, je vais peut-être plus faire des choses que j'aime ou je vais être plus dans mon travail. Pour penser vraiment à autre chose, hein, ce qui va justement éviter la tour, hein, ce qui va éviter le désastre. Hein, parce que si vous étiez resté comme ça, enfin si vous allez, parce que là en parlant du futur proche, si vous allez rester dans cet état, là forcément vous allez attirer le désastre. Mais vu que vous allez savoir vous relever, que c'est juste un petit moment comme ça où vous n'allez pas être bien, mais vous allez réussir à vous relever. Hein. Hein, c'est comme si on vous disait le diable ne va pas gagner, quoi. Voilà, le mal ne gagnera pas. Et grâce à ça, grâce à cette belle énergie que vous avez, bah, vous allez justement éviter la tour. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Hein, voilà, 5 de pentacle à l'envers, vous allez éviter la tour, vous allez éviter la perte même au niveau financier. Voilà. Là, on a l'ermite. Donc vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup prendre soin de vous avec l'ermite. Hein. Mais on voit ici qu'à un certain moment, on n'aurait plus de force par rapport à une vérité là qui n'a pas été dite. Il y a une vérité qui n'a pas été dite. Et vous n'arrivez plus à garder cette vérité pour vous. C'est vous, hein. C'est vous ici qui avez une vérité à dire et que vous n'arrivez plus à garder dans votre cœur. Regardez, c'est quoi cette vérité? C'est le 2 de coupe. En fait, vous allez encore une fois vous rendre compte que vous voulez être avec lui ou elle. Et vous n'arriverez plus à garder cette vérité en vous. Donc au bout d'un moment, encore une fois, vous allez effectivement lui dire. Vous allez avouer cette vérité. Cavalier d'épée à l'envers. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, et cavalier. Oh non, d'accord. Le valet, bah ouais, bah j'ai le valet et le cavalier d'épée à l'envers, les deux. Non, bah vous n'arriverez pas à lui dire, justement. En fait, vous allez essayer de lui. Vous aurez vraiment ce besoin de dire les choses à cette personne. Et vous allez écrire et réécrire et réécrire. Et à chaque fois, vous effacez. Vous voyez, comme quelqu'un qui écrit un message qui efface, qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface. C'est exactement ça. Parce que vous aurez vraiment ce besoin de lui dire à chaque fois. Et à chaque fois, vous allez effacer. Le message, vous n'allez rien lui dire. Et au bout d'un. Mais par contre, je vois qu'au bout d'un moment. Ouais, cette personne, elle patiente en fait. Cette personne, elle est très patiente. Elle va beaucoup patienter. Hein. Elle va beaucoup s'occuper, cette personne. Et en même temps, elle va beaucoup patienter sur le fait que. Elle va espérer en fait quand même de recevoir un message, une lettre, quelque chose de vous qui n'arrive pas quoi, qui n'arrive pas pour pouvoir revenir en fait avec vous aussi parce que cette personne voudra revenir avec vous aussi. Ouais, regardez, voyez, parce que son souhait ici, ce sera vraiment d'être avec vous, de, voyez, de
d'être ensemble, bras dans la bra dans les bras, peut-être vivre ensemble aussi, parce que là, je vois quand même vivre ensemble, acheter une maison, louer. Un truc, mais vraiment pour vous deux, vous voyez, pour vraiment pour vous, pour votre couple. Et là, on a un anniversaire. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aimerait fêter son anniversaire avec vous, je sais pas. Un anniversaire qui vous tient à cœur à tous les deux. Peut-être l'anniversaire de votre rencontre, je sais pas. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ouais. En tout cas, on voit qu'il y a des peurs qui, par la suite, vont s'estomper, hein, petit à petit. Mais, ouais, parce que je vois ici que, voilà, vous avez encore des blessures en vous qu'il faut encore guérir. Mais petit à petit, vous allez déjà réussir à sortir de certaines phobies, de certaines peurs. Peut-être que vous avez beaucoup de phobies aussi, hein. Peut-être, je sais pas, beaucoup de phobies, beaucoup de peurs. Ouais, petit regret, fidélité, hein. Peut-être que vous avez peur, voyez, vous avez peur qu'on vous ment sur la fidélité. Hein, vous voyez, hein, on a des petits tracas par rapport à la fidélité, les mensonges. C'est qu'on vous a déjà menti par rapport à la fidélité, on vous a déjà fait croire qu'on était fidèle et en fait non. Ah, en fait non, on n'était pas fidèle, quoi, tout simplement. On va voir celui-ci un petit peu. Il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, mais mental, hein. Énormément de conflits mentaux ici. En vous. Ça vous a rendu triste. Très triste. Ouais. Au point de pleurer, d'être pas bien, d'être vraiment blessé au plus profond de soi. Et c'est là où cette personne. C'est là où cette personne est revenue, hein, je pense, ici, ouais. C'est là où cette personne est revenue pour vous proposer quelque chose de stable. Mais vous, vous étiez encore en train de guérir cette blessure qui vous a fait beaucoup de mal. Et donc, voilà pourquoi ça n'a pas été. Vous étiez encore dans une grosse blessure, quoi. Mais on voit quand même une belle réussite. On voit une réussite qui arrive ici, mais c'est, on va dire, une réussite assez fragile, dans le sens où on a l'impression que tout va bien aller, tout va bien, puis d'un seul coup, le lendemain, par exemple, là, bah, ça ne va plus, on repense aux choses négatives, etc., etc. Ouais, c'est ça. On repense au moment où on était sur un nuage, où on était vraiment heureuse ou heureux avec cette personne. Et puis voilà quoi, on était bien, on était dans la guérison, dans l'équilibre, on se retrouvait soi-même. On retrouvait une certaine guérison, un certain équilibre. Et puis cette personne, elle a osé aller vers quelqu'un d'autre. Ouais, choisir peut-être une autre femme, un autre homme. Dans le passé, et ça vous a brisé quoi le cœur. Ça vous a fait beaucoup de mal, et c'est pour ça qu'ensuite vous vous êtes entre guillemets rebellé. Parce que c'est comme une forme de protection, hein, pour vous, comme une sorte de protection que vous avez mis sur vous en vous rebellant un petit peu, en étant méfiante, en faisant attention à vous, etc., etc. Et cette personne ici, on voit que, ouais, elle a beaucoup porté de masques en fait dans la relation. Elle a porté un masque. Mais vous, vous avez fait attention à ça. Vous avez compris cela. Vous avez compris que cette personne portait un masque. Vous avez compris que elle parlait beaucoup, mais que, en fait, elle parlait, mais concrètement, il n'y avait rien de spécial qui arrivait. Elle vous mettait dans une forme d'illusion. Où vous passiez par exemple un très bon moment ensemble, et puis après, bah, quelques heures après, ou le lendemain, ou quelques jours après, les choses étaient différentes. Vous avez constaté que vous étiez quelque part
dans une forme de conte de fées, puis d'un seul coup, pouf, on redescend, on revient à la réalité. Hein. Puis là, on voulait vous consoler, mais personne ne pouvait vous consoler, quoi. Personne ne pouvait vous consoler. Et vous avez retenu cette date, vous avez retenu ce moment. Vous n'avez pas oublié ce moment, en fait. Hein. Mais toujours, y a toujours quand même eu cet amour qui est toujours là, en fait, qui n'est jamais parti. Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui va essayer de vous piquer, entre guillemets, cet homme ou cette femme. Il y a une énergie tierce. Hein. Une énergie tierce qui va profiter de ce moment-là pour s'ouvrir à lui ou à elle afin qu'il puisse la choisir. Et c'est quelqu'un qui va faire vraiment exprès pour qu'il puisse voilà, s'engager, se marier, etc. avec lui ou avec elle au moment où il va savoir, cette personne va savoir qu'il sera seul. Enfin, qu'il sera, entre guillemets, seul, enfin, séparé hein, de vous, en fait. Quelqu'un qui va essayer de l'enchaîner, vous voyez, hein, qui va essayer de l'enchaîner à lui ou à elle. Ouais, y a une énergie tierce qui va essayer. Ah oui. Mais la personne de votre cœur ne sera pas sûre, de vouloir revenir, enfin de vouloir aller avec cette personne. Parce qu'il sera toujours en train de vous observer, il sera toujours en train de vous voir. Ou alors, c'est quelqu'un qui va peut-être même se rendre compte que cette personne ici tierce, c'est quelqu'un qui joue la comédie. Théâtre, cinéma, acteur, actrice, voyez, pour avoir ce qu'elle veut. Quelqu'un qui n'est pas du tout de confiance. Quand il va beaucoup parler avec elle ou avec lui, il va voir que c'est pas quelqu'un de confiance en fait. Et il va faire la différence entre vous et cette personne. Il va voir que vous, vous étiez très intuitive, très, bah, très attirante, très attirant, mais très intuitive, très vraie. Au niveau bah de qui vous êtes vraiment, quoi. Vous êtes une personne authentique, une personne vraie, une personne spirituelle aussi. Que je vois ici ce côté, ou peut-être esprit dans le sens ouverture d'esprit. Très ouverte, vous voyez. Et vous êtes une personne aussi qui n'a... Comment dire ça? N'hésitez pas à dire ciao aux autres personne toxique autour de vous. En fait, vous n'hésitez pas, même si vous devez rester seul quelque temps, vous n'hésitez pas à dire, je vais dire un mot, j'aime pas trop dire ça, mais vous n'hésitez pas à dire dégage. Voilà, c'est ça. Vous voyez, aux personnes autour de vous qui n'ont pas été correctes. Même si vous devez être seul, par exemple, sans amis, sans je ne sais quoi, pendant un temps, ça, vous allez le faire, quoi. Vous n'allez pas, en fait, rester avec des personnes comme ça pour ne pas rester seul. Vous préférez, justement, être seul que mal accompagné, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un de très intelligent qui va tout de suite comprendre. Hein, qui va tout de suite comprendre que l'autre personne n'est pas la bonne personne. L'autre personne qui va tout faire hein, pour le conquérir ou la conquérir, va vite comprendre que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un de bien. Ouais. Ouais, voyez, c'est une reine de denier, mais à l'envers. C'est une personne qui est très instable, qui n'a pas du tout même de confort, à qui on ne peut pas se fier, on ne peut pas avoir confiance. Au niveau même de la stabilité, on ne peut pas avoir confiance non plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire, qui ne veut faire aucun effort, qui reste toujours bloqué dans des énergies toxiques et négatives. Et cette personne, elle le sait, cette personne est très intelligente et elle va le remarquer. Elle va être éclairée avec sa petite lampe là, enfin ses bougies plutôt. Hein, il va être éclairé sur le fait que oui, cette personne, elle fait tout pour me parler, pour être avec moi, etc. Mais ce n'est pas une bonne personne. Donc là, ici, on voit qu'on sort du mode ermite, du mode réflexion, parce qu'on a déjà assez compris que ce n'était pas quelqu'un de bien. Hein? Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'avec cette personne, il n'est pas du tout ancré et qui va regretter. Hein.
par contre. Hein, ouais, il va vite regretter ce choix. Hein. Il va vite regretter ce choix ici. Ouais, il va vite regretter ce choix et il voudra sortir de cette, entre guillemets, de cet enfer. Ouais, c'est ça. J'entends vraiment cette phrase de cette personne qui dit « Sortez-moi de cet enfer. Il faut que je sorte de cet enfer avec cette femme, cet homme. » Donc, c'est quelqu'un qui va tomber quand même dans le piège. Hein. Là, moi, je vois quelqu'un qui va tomber dans le piège. Alors, c'est pas, je vois pas quelqu'un qui tombe dans le piège, c'est-à-dire que il va se marier, il va faire des enfants. Non, c'est pas ça. Mais il va tomber dans le piège dans le sens où il va donner quand même sa chance à cette personne, par exemple, de lui parler, enfin, vous voyez, de flirter, de parler, de se voir, etc. Et en fait, il va tomber sur une, excusez-moi le mot, mais une folle ou un fou allié, quoi. Quelqu'un qui va vraiment s'accrocher. Et qui va s'en fiche complètement de ce que lui ou elle veut. Qui va juste vouloir arriver à son but. Et son but, c'est de l'avoir pour lui ou pour elle. Et c'est tout. Et cette personne, elle va être très intelligente parce qu'elle va commencer à comprendre tout de suite, en fait, assez rapidement. Il ou elle va comprendre que cette personne n'est pas du tout une personne stable. Hein, c'est quelqu'un de très instable. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un qui... Enfin voilà, qui n'est pas bien du tout. Et en plus, en sa compagnie, il se retrouve complètement instable aussi. Vous voyez, il n'est plus ancré, il est complètement instable, ça ne va pas du tout. Et il aimerait sortir. Et là, il va vouloir absolument sortir le plus vite possible de cet enfer. Parce que c'est vraiment ce que j'entends. Cette personne qui va dire, sortez-moi de cet enfer. Je dois sortir de cet enfer maintenant. Parce que vraiment, il va sentir qu'avec cette personne, c'est un enfer. Parce que même lui-même, même elle-même... Cette personne, même lui-même, va être déstabilisé, déséquilibré, même dans sa propre vie, quand même. Vous voyez? Voilà, il va tomber, vous voyez, avec le 8 d'épée, il va tomber dans des énergies comme ça, de mental très négatif, très toxique. C'est comme s'il va... Ce que elle, ce que cette personne est... c'est comme si c'était contagieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si c'était contagieux. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, il va vite se sortir de là. Hein. Il va tout de suite sortir d'ici. Hein, il va sortir de cette forme de cruauté, entre guillemets, de cet enfer avec cette personne. Il va vite sortir de là. Hein. Ah oui, il va vite mettre fin à cette union... qui n'est pas vraiment une union, j'ai envie de dire, mais bon, début de relation, si on peut dire ça comme ça, et aller vers un renouveau, une renaissance totale de sa vie, hein, avec le cavalier de coupe, hein, donc en revenant vers vous avec, bon bah voilà, hein, il va retenter forcément, il va retenter vers vous, de revenir vers vous en vous disant qu'il a regretté d'avoir même laissé cette chance comme ça à cette personne de rentrer dans sa vie. Hein, il va regretter ou elle va regretter. Et il va faire, il va enlever les murs, les barrières, tout ce qu'on veut pour venir vous dire des mots d'amour, etc. Même si vous allez lui dire non, laisse-moi tranquille, par exemple, il s'en fiche. Hein, il va venir, il va vous dire les choses et après, c'est bon. Principal pour lui ou pour elle, c'est qu'il vient, voyez, pour vous dire ces mots d'amour, pour vous dire ce qu'il ressent. Même si son rêve est brisé avec vous, il veut venir quand même vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Vous voyez, c'est ça ici que je vois. Ouais, il veut sortir du silence. Il ne veut pas rester dans le silence. Il veut sortir du silence. Il veut vous dire à quel point il est désolé, à quel point son rêve était avec vous, mais ce rêve est brisé. Il veut vous dire que voilà, tout ce qu'il veut, c'est vous dire ses sentiments, c'est vous dire ce qu'il a besoin de sortir de son cœur. Voilà, il a besoin de s'exprimer, mais qu'il n'attend rien de votre part, qu'il comprend très bien que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Voilà, ouais, la tempérance à l'envers. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va, on me dit, hein, qui ne va jamais réussir à guérir, enfin, c'est pas jamais, mais ça va être très difficile. Hein. Pour lui, pour elle, de guérir de cette situation où il a vu son rêve se briser avec vous. Et qu'il va rester avec cet amour en plus. Ouais.
Il va essayer d'aller de l'avant, mais sans enthousiasme, sans rien. Il n'aura pas envie même de sourire, de rire. Il va perdre son sourire. Hein. Cette personne, sans vous, elle va perdre son sourire. Sans vous, son sourire ne sera plus là. Cette personne va perdre son sourire carrément, hein, sans vous, voyez. C'est fort quand même. Sans vous, il y a un grand regret. Hein. Mais il va avoir la force et le courage de vous demander une autre fois de s'engager avec vous, de vous demander une autre fois de lui donner la chance de prendre soin de vous dans une relation stable, de vous retrouver en fait. Parce que sans vous, cette personne, je vous dis, hein, il n'a plus le sourire, il n'a plus la joie de vivre, il n'aura plus envie de rien. Et il va comprendre qu'il a été dans une forme d'illusion en pensant que ce n'était pas un lien, un vrai lien. Il va se dire, mais vous voyez, il était dans l'illusion, dans le fait de croire que ce n'était pas un lien vrai d'amour entre vous. Il va comprendre qu'il était dans l'illusion. Et là, il va sortir de cette illusion. Et il va assumer cela. Et il va comprendre qu'il ne pourra jamais résister à cet amour. Qu'il ne pourra jamais résister à cet amour, qu'il ne pourra jamais résister même à vous-même. Parce qu'ici, moi, je vois ici plus de la passion aussi, hein. Il y a de la passion. Cette personne va beaucoup s'ennuyer sans vous et va essayer, hein, toujours de revenir, de vous courtiser, d'essayer de faire en sorte que vous puissiez revenir vers lui ou vers elle, de vivre quelque chose de beau une autre fois, de redonner une chance pour une stabilité. Mais ça sera très compliqué au début. Vous n'allez pas accepter tout de suite. Enfin, vous n'allez pas accepter. Hein. Malgré les sentiments, hein, malgré l'amour. Hein. Malgré l'amour ici, parce que là, j'ai l'as d'épée et l'as de coupe, donc on reconnaît cette vérité que oui, c'est le vrai amour, voyez. Oui, c'est bien mon vrai, mon réel et mon vrai amour, mais le couple, le lien a été détruit. Mais cette personne, elle va vraiment vouloir sortir d'une... Elle va sortir vraiment d'une illusion et elle va vraiment comprendre que c'est avec vous qu'elle se sentait vivre et revivre. Cette personne va vraiment comprendre que c'est avec vous qu'elle se sentait vraiment vivre et revivre. Et c'est quelqu'un qui va toujours vous regarder, qui va toujours vous observer de loin, même s'il y aura des autres femmes, des autres hommes autour de lui ou d'elle. Il aura... Vous voyez le bouquet de fleurs là? Ça sera uniquement pour vous et c'est tout. Les autres, ça ne l'intéressera pas du tout, en fait. Voyez, le cadeau, le bouquet de fleurs, si on peut dire ça comme ça. En fait, la main, la bague au doigt, là, ce sera uniquement pour vous. Ça, les autres femmes, les autres hommes ne l'intéresseront pas. Et il va toujours, effectivement, rester ici, vous voyez, à vous regarder, à vous observer et à vous admirer. Admirer la femme, l'homme que vous êtes. Voilà. Il sera instable, hein. Il va s'en vouloir à lui-même, il va s'énerver même parfois sur lui-même. Parce que il vous aura perdu, il va vraiment, il va vraiment être pas bien du tout. Mais envers soi-même, parce qu'il va comprendre que vous étiez vraiment son cadeau avec la carte, la magie de Noël. Il va comprendre que vous étiez en plus une personne très honnête et que vous étiez vraiment un cadeau divin pour lui ou pour elle. Mais là, on a quelqu'un qui va faire des vœux, qui va prier pour re-avoir dans sa vie, eh bien, l'amour. L'amour de sa vie, donc vous. Voilà. Et va remercier Dieu, va remercier le divin, va remercier, selon sa croyance, de vous avoir eu dans sa vie et d'avoir encore vous, d'avoir la possibilité quand même de vous parler, même si vous n'acceptez pas, mais... Il va quand même être dans la gratitude, en gros, dans le remerciement qu'il puisse encore vous parler, qu'il puisse encore vous proposer des choses pour être ensemble. Même si vous allez dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le principal pour lui ou pour elle, ça sera vraiment de se dire, c'est pas grave, je vais... principal que j'ai toujours un accès pour aller vers elle, vers lui, afin de lui dire...
mes mots d'amour, de lui dire ce que j'ai dans le cœur, et de lui proposer de l'engagement, jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise oui, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce qu'un jour, elle me dira oui ou il me dira oui. Hein? C'est vraiment dans... c'est dans ce côté-là, en fait. Hein? Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit, là, avec les saints et les anges, avant de terminer. Bravoure et pardon. Ah, avec Sainte Marie-Madeleine. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez quand même pardonner et faire preuve de bravoure. Donc, je pense qu'en fait, vous allez, au bout d'un moment, hein, ce ne sera pas tout de suite. Il va mariner. Il va un petit peu galérer, c'est vrai. C'est vrai ici, je vois ça. Mais au bout d'un moment, vous allez être dans le pardon. Vous allez, voilà, vous allez accepter de nouveau parce que vous allez pardonner. Mais ça sera au moment où vous, vous le déciderez. Voilà, vous voyez, avec le leader, vous êtes le leader avec Jeanne d'Arc. C'est vous, en fait, qui allez décider quand sera le moment. Et ça sera un moment où vous allez vraiment approfondir les choses. Hein. Vous allez vraiment... je pense que vous allez vraiment comprendre. Hein, il y aura un approfondissement par rapport peut-être à vos sentiments, à ce que vous voulez vraiment dans la vie, est-ce que vous voulez vraiment avec lui ou avec elle. Par la prière, oui, c'est ça. Par la prière. Et vous vous sentirez, je pense, en sécurité avec Saint-Christophe. Vous vous sentirez en sécurité grâce à votre prière, etc. Voilà. Parce que le choix que vous allez faire par la suite, vous voulez que ce soit vraiment un choix sûr. Hein, vous voulez que ce soit sûr, vous voulez vraiment être sûr d'être guidé par vraiment par le divin et non pas par quelque chose d'autre de malsain. Vous ne voulez pas faire le mauvais choix. Et je pense que quand on passe vers la paix comme ça, à l'intérieur de soi, on ressent une paix. Parce que quand on ressent une paix, on arrive à pardonner. Donc quand on ressent des choses comme ça, je pense que c'est vraiment le côté du divin. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Hein, bon, au bout d'un moment, vous allez quand même aller dans le pardon. Et je pense que vous allez accepter de nouveau une autre chance à cette personne. Mais ça ne sera pas tout de suite. Hein. Hein, on voit vraiment une histoire qui... Pff, on a le yo-yo là. On a le yo-yo. Bon bah voilà, j'ai terminé la guidance du week-end. Hein. Ouh là là. Eh bah dis donc, elle a été longue aussi celle-ci. Hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas bien sûr, à, hein, comme je le dis d'habitude, à mettre bien sûr à liker, à vous abonner. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez rejoindre la chaîne hein, si vous souhaitez vous, comment dire, la soutenir en la rejoignant. Sinon, bah merci voilà, pour vos abonnements, pour vos likes et tout, parce que c'est un grand soutien également, donc merci infiniment. Et puis n'hésitez pas, hein, donc, comme je vous dis, à aller voir sur l'autre chaîne également pour les guidances sentimentales intemporelles. Ça me ferait plaisir aussi, bien sûr, de vous voir là-bas, hein, de vous abonner, de liker aussi, tout ça. Donc merci infiniment du fond du cœur, les belles âmes. Et puis, pour mon cœur en améthyste, hein, vous l'avez encore donc sur le site. Je vais vous mettre le lien direct en description juste en dessous pour ceux et celles qui sont intéressés. Et voilà, en tout cas un grand merci, merci du fond du cœur, prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis bah, à très bientôt pour les prochaines vidéos, merci.